Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui, je m'étais dit que j'allais vous préparer un petit haul Arquette, donc c'est parti. Alors je commence déjà par la première pièce que je porte, qui est effectivement une marinière Arquette. J'avais posté comme ça une petite photo en story sur Insta, et vous avez été quelques-unes à me demander ce que c'était, d'où ça venait, parce que c'était une photo un peu zoomée. Isaac qui me ramène des cintres, parce que je suis en galère de cintres. Et donc ce joli pull rayé comme ça vient bien de chez Arquette, et il est magnifique, il est hyper confortable en plus. Ouais, il est un petit peu molletonné comme ça, enfin légèrement, mais en fait c'est juste, je trouve, la matière et l'épaisseur parfaite pour le printemps, parce qu'en fait voilà, au printemps il fait beau et tout ça, mais il fait encore un petit peu frais de temps en temps, et ça peut être quelque chose aussi, vous savez, un pull que vous mettez sur vos épaules, que vous nouez comme ça, au cas où, si jamais voilà, à un moment donné il fait un petit peu plus frais en fin de journée ou quoi, bah, vous pouvez le mettre. Et bien évidemment la marinière, ça reste quand même un classique. Alors ce qui est assez marrant, c'est que moi j'ai longtemps c'est pas que j'ai pas aimé, mais en tout cas c'était pas un truc qui m'attirait particulièrement, les marinières, les pulls à rayures et tout ça, c'était pas trop mon truc. Et puis là cette année, honnêtement, j'aime beaucoup, je trouve qu'en fait c'est super joli, que c'est hyper, enfin voilà, que c'est un classique, un intemporel, et que voilà, ça rajoute une touche comme ça, fraîche au printemps et tout, que j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette première pièce, je sais plus en quelle taille je l'ai prise, mais j'écrirai soit à l'écran soit en barre d'infos. Il est un petit peu crop comme vous pouvez voir, il est pas hyper long, les manches sont beaucoup plus longues par exemple, mais j'aime bien parce que moi en plus je mets souvent des pantalons taille haute, et du coup voilà, ça permet d'avoir moins de matière comme ça dans le pantalon et tout ça, donc vous pouvez le rentrer dans le pantalon sans souci. Mais voilà pour cette première pièce. Deuxième pièce que j'ai prise, je vous la mets sur un cintre pour que vous la voyez mieux, c'est cette magnifique blouse ou chemise, je sais pas trop, mais en tout cas elle est super jolie. Donc en fait c'est une chemise comme ça qui est assez longue, mais enfin pas trop non plus, elle a un côté un petit peu bouffant de par les manches, et vous voyez ici au niveau des poignets il y a un élastique, donc c'est resserré, et moi j'aime beaucoup la porter, enfin je l'ai essayé, je l'ai pas encore portée en extérieur, mais quand je l'ai essayé j'aimais bien en fait retrousser les manches comme ça, ça venait accentuer comme ça le côté un peu bouffant et tout, et c'est super joli, c'est hyper frais, et encore une fois au printemps voilà, on a envie de mettre des couleurs claires et tout, et des matières un petit peu plus légères, mais c'est vrai que des fois voilà, on n'a pas forcément envie d'être en t-shirt tout de suite, on a quand même besoin d'avoir une petite couche de tissu comme ça sur le bras, et ça bah, franchement je trouve que c'est l'idéal. Et même en été honnêtement, je serais capable de porter ça avec par exemple un bermuda en jean ou quoi, enfin ça peut être hyper joli, et vous venez encore une fois retrousser les manches, vous laissez quelques boutons comme ça ouverts, je trouve ça trop trop beau. Et au niveau du col, alors on est sur un col Mao, je sais plus comment ça s'appelle ce genre de col, mais en tout cas c'est pas un col classique de chemise, mais ouais, hyper joli, et encore une fois c'est un réel intemporel qu'on peut aussi mettre en hiver en dessous d'un pull ou en dessous d'un gilet, d'un cardigan, d'une veste, enfin il y a mille et une façons de porter ce genre de chemise, mais je l'ai trouvé vraiment très très jolie. Je l'ai prise en taille 38 et c'est du coton bio apparemment, mais enfin vous savez déjà que Arquette c'est vraiment de la bonne qualité, c'est des matières un petit peu plus premium, et c'est pas toujours plus cher, il y a des pièces qui sont quand même plus chères, mais il y a aussi des pièces comme les bons basiques, comme les t-shirts, les débardeurs et tout ça, où ça reste quand même très abordable, et vous avez une qualité aussi qui est meilleure, et même après les lavages et tout ça, enfin le tissu se tient bien et tout, enfin bref, moi j'aime beaucoup Arquette. Donc voilà pour cette deuxième pièce. On part maintenant sur un débardeur que j'ai pris en plusieurs coloris. Je vais vous montrer les autres coloris tout à l'heure. Alors, je vous montre celui-ci. Alors, cette coupe, si vous allez sur le site de Hermès, Hermès en fait a sorti un débardeur qui est marron. Je pense pas qu'il est sorti en d'autres coloris et qui a exactement cette même coupe. Et en fait, c'est une coupe où les bretelles viennent, rentrent un petit peu comme ça et repartent comme ça vers l'extérieur. Alors ça, clairement, il faut mettre un soutien-gorge sans bretelles, parce que même l'astuce là, moi, que j'ai, où je mets les crochets là qui viennent rapprocher les bretelles dans le dos, ça va pas, parce qu'on va quand même voir les bretelles du soutien-gorge ici. Donc là, il faut vraiment soit un bandeau, soit un truc soit sans bretelles, ou bien sans soutien-gorge pour celles qui sont à l'aise comme ça. Et en tout cas, cette coupe de débardeur est hyper tendance. Je pense pas l'avoir vue l'été dernier. Cette année, Hermès a sorti ça, et du coup j'ai l'impression que toutes les autres marques suivent un peu, mais voilà, donc pour vous montrer la coupe, de toute façon vous verrez les essayages, mais j'ai beaucoup beaucoup aimé cette coupe de débardeur, et celui de chez Hermès est complètement out of stock. Enfin, j'avais regardé par curiosité, non pas que, enfin je pense pas que j'aurais acheté, mais par curiosité, et en fait il est introuvable. Donc voilà pour ça. Alors moi je l'ai pris en taille S, mais honnêtement j'aurais pu le prendre en XS. En fait ça, c'est pas que ça baille ou quoi,
mais je sens que le tissu il est un peu flottant. Alors je sais, je pense pas, enfin je pense que je vais prendre ces débardeurs là, mais je vais prendre une taille en dessous. Je pense pas que je vais garder les S parce que ben, justement, enfin j'ai pas envie qu'on voit le côté de mon soutien-gorge ou que sais-je. Enfin, j'ai envie d'être bien à l'aise, j'ai envie que le tissu reste bien en place et tout ça. Et puis en plus j'aime bien quand c'est bien près du corps et tout. Pour tout ce qui est débardeur et tout, j'aime pas quand c'est trop grand ou que ça flotte un peu trop. Donc voilà pour ça. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en d'autres coloris. Je l'ai aussi pris en blanc. Trop joli. Moi en fait en été et bon un peu au printemps, ça dépend des températures, mais je vis en débardeur et en bermuda en jean. Donc du coup pour moi c'est vraiment... c'est toujours bon pour moi d'avoir différents débardeurs. Et puis les coupes comme ça, bah, justement, les rend un petit peu plus, plus originaux. Ouais, donc j'aime beaucoup. Donc j'ai pris en blanc et il me semble que j'ai pris en noir aussi. Ouais, j'ai pris le noir qui est comme ça, exactement la même coupe. Justement, en parlant de débardeur, parce que là je l'ai mis au sale, parce que je l'ai porté hier, donc je peux pas vous le montrer, mais je vous mets les essayages sur le côté. J'ai pris un débardeur avec les bretelles plutôt droites, comme ça, assez large, côtelée, et avec une ouverture un petit peu plus... enfin avec une plus grande ouverture que, vous savez, les débardeurs classiques que j'ai, qui sont souvent ras-de-cou. Et je trouve que ça change un peu, ça donne un côté un petit peu plus féminin peut-être, voilà, avec le col comme ça un petit peu plus dégagé. Et il est super beau aussi, et je l'ai pris en S, bon je l'ai déjà porté donc je vais le garder comme ça, mais j'aurais pu prendre en XS, ouais, sachez-le. Mais voilà, je l'aime beaucoup, je l'ai pris en blanc. Je sais plus s'il existe en d'autres coloris, mais en tout cas, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Alors, justement, en parlant de Bermuda, j'ai voulu essayer en fait ces shorts-ci. Donc je l'ai pris en noir et en bleu, je vais vous le montrer après le bleu. Et je le trouvais super beau en fait sur le mannequin. Je trouvais que le short, il avait pas l'air court en fait sur le mannequin, mais sur moi, c'est trop court. Et honnêtement, alors je sais pas si je vous mettrai des essayages ou si je vous mettrai la photo de la mannequin qui porte donc ces shorts-là, mais pour moi c'est trop court donc je vais pas garder. Après je me dis, est-ce que c'est parce que j'ai pris une taille 27 j'aurais peut-être pu prendre une taille 28, peut-être que j'aurais été plus à l'aise dedans. Mais en fait au-delà d'être court, il est un petit peu trop près du corps pour moi, et moi j'aime bien quand mes shorts sont un peu larges. Donc je sais pas trop, et j'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas trop d'élastane dedans. Alors ça c'est bien pour... enfin c'est vrai que c'est mieux quand tout ce qui est matière jean comme ça, denim, ça reste bien raide et que ça s'élargisse pas trop, que ça se détende pas trop non plus. Ah bah c'est du 100% coton. Voilà, donc sachez-le. Donc il n'y a pas d'élastane dedans et effectivement je le sens bien, même quand je l'ai passé, il est resté bien, bien en place et tout. Donc honnêtement, soit je prends une taille ou deux au-dessus, soit je le renvoie et j'en prends pas d'autres. Mais en tout cas, sachez que si vous cherchez des bons shorts qui soient quand même bien finis, parce que vous voyez, c'est... enfin, on voit que c'est quand même vraiment de la bonne qualité et tout ça, et, qui... et si vous êtes à l'aise aussi avec ce genre de longueur. Franchement, un look comme ça, même avec la marinière et tout, et le short... avec des petites claquettes noires par exemple, ça peut faire trop trop beau. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais la marinière, enfin de toute façon je pense que vous voyez, mais la marinière est noire et crème. C'est pas bleu et blanc comme on a l'habitude de le voir, et c'est ça aussi que j'ai aimé, parce que je suis moins fan des rayures bleues et blanches. Bref, donc voilà pour le short. Et donc j'avais pris le même en bleu, que je trouvais aussi super joli, franchement. C'est juste une préférence moi que j'ai au niveau des longueurs et tout ça. Mais sinon en termes de coupe, de tissu encore une fois, de la structure du denim et tout ça, franchement c'est vraiment des bons shorts. Si vous êtes à la recherche de ce genre de longueur, allez-y. Par contre pour la plage, franchement ça peut aussi être hyper sympa. Si vous aimez le côté débardeur blanc avec un petit short pour aller à la plage, moi j'adore. Et le bleu je trouve qu'il est vraiment beau, vous savez c'est une belle teinte de bleu, c'est ni trop foncé ni trop clair. Super joli aussi, et pareil donc le bleu je l'avais pris en 27. Autre énorme tendance de ce printemps-été, on est sur le pantalon rayé. Alors le pantalon rayé comme ça c'est hyper à la mode, moi j'en vois de plus en plus passer. Et alors soit gris et blanc cassé comme ici, soit aussi blanc et bleu, bleu ciel. Franchement c'est une grosse tendance, un peu comme un esprit un peu de matière pyjama, comme les pyjamas rayés, bah, comme le pyjama que j'avais acheté récemment chez H&M. Un peu ce délire là, ou bien aussi la même chose mais en format short. J'ai vu pas mal de shorts bleus rayés blancs passer justement aussi, donc c'est la grosse tendance et je vois bien ça avec un trench par exemple beige et puis un petit débardeur blanc ou un t-shirt blanc et tout ça, ça peut faire hyper joli. Mais moi je l'ai pris cette fois-ci en ce coloris là, plus passe-partout on va dire que le bleu et blanc, mais ouais trop joli aussi. Alors j'ai remarqué qu'il était un petit peu transparent, en fait c'est pas qu'il est transparent, mais on voit la doublure des poches. Alors moi ça me choque pas particulièrement, mais je le précise quand même au cas où. En fait vu que les poches sont blanches, bah du coup ça fait une épaisseur en fait en plus au niveau de ce tissu là, et ça fait une opacité en plus en fait sur le tissu du pantalon, et du coup on voit un peu les poches à travers. Mais après moi comme vous le savez,
avec ce genre de pièces. Je porte ça, pas celui-ci particulièrement, mais même, enfin j'en ai un autre qui est pas spécialement gainant. Mais je porte en fait, vous voyez, ce genre de petit short comme ça, couleur peau. Et en fait, comme ça, ça vous permet de pouvoir porter ce genre de pièces sans vous demander si on voit voilà, votre sous-vêtement à travers ou autre. Et je trouve que ça dépanne et moi je me sens mieux en fait dans mes fringues et je me sens plus à l'aise en fait et je me dis pourquoi s'en passer. Et surtout pour ce genre de pièces comme ça qui sont hyper tendances, ça serait dommage aussi de pas pouvoir en profiter juste parce que voilà, c'est transparent. Enfin moi en tout cas c'est le genre d'option que j'aime bien faire. Après s'il fait 35 degrés dehors, est-ce que je vais mettre ça avec en plus un truc gainant en dessous? Je pense pas. Mais voilà, en tout cas je vous glisse l'astuce. Il y en a aussi des beaucoup moins épais. Moi l'autre short que c'est vraiment juste un short hyper fin de chez Intimissimi qui est pas du tout gainant, donc pas épais tout ça, mais juste pour dire d'uniformiser le tout et de pas avoir le sous-vêtement à travers. Et je trouve ça hyper pratique, je le mets même en dessous de mes robes, de mes jupes comme vous le savez. Mais en tout cas voici pour ce joli pantalon. Je l'ai pris en S aussi. Et voilà, même au niveau de la longueur, je trouve qu'il tombe bien au bon endroit. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit très long ce genre de pantalon, avec une petite claquette comme ça dans les tons noirs pour matcher un peu avec les rayures. Parfait. Et enfin, dernière pièce, et ça me permettra de vous parler des t-shirts de manière générale chez Arquette. Alors moi j'ai pris celui-ci cette fois, mais j'en ai pas mal des t-shirts de chez Arquette, tout comme les t-shirts COS d'ailleurs. Et c'est encore une fois des bons basiques, je sais que je me répète, mais d'ailleurs vous avez sûrement dû voir dans mon dernier vlog où Isaac essaye des t-shirts Arquette que je lui avais choisi. Bah c'est vrai que justement voilà, je lui ai dit même pendant le vlog que c'est des bons basiques, c'est des t-shirts très simples, très classiques, intemporels, mais qui vont rester et durer dans le temps et que vous n'allez pas devoir jeter parce qu'ils sont déformés ou quoi au bout de quelques lavages quoi. Donc moi j'ai pris celui-ci, je le trouvais hyper fun comme ça, rayé mais coloré, donc bleu et vert. Je trouve que le bleu et vert ça va super bien ensemble. Je trouve que ça change un petit peu, une touche de couleur, ça fait, enfin en été je trouve ça hyper sympa aussi, encore une fois avec pourquoi pas un bermuda en jean bleu par exemple. Mais ouais, je trouvais ça trop mignon. Et en fait sachez que donc Arquette sort toute une série de t-shirts en plein de coloris différents. Il y a aussi des couleurs unies, c'est pas forcément que rayé. Et celui-ci en fait il est super, il est hyper doux, il est vraiment très agréable sur la peau. Donc vous avez des t-shirts comme ça assez souples, assez fins, assez légers, mais il y en a aussi des beaucoup plus rigides, beaucoup plus droits aussi. Par exemple moi j'ai un blanc, je l'ai repassé pas plus tard que tout à l'heure, donc moi celui-ci je l'ai pris en S. Et en fait ce t-shirt là il le ressorte vraiment, enfin il est tout le temps sur le site quoi, c'est pas juste une saison. Et c'est un grand classique, il me semble de mémoire que celui-ci s'appelle le Heavyweight. Donc c'est voilà, c'est un t-shirt plus lourd, c'est un t-shirt aussi qui est plus épais. Je l'ai repassé plié, mais je veux bien le déplier pour vous. Mais voilà, en fait il se tient vraiment bien, il est beaucoup plus épais, il est un peu large, mais c'est vraiment le t-shirt blanc de qualité à avoir si vous voulez faire comme ça une capsule wardrobe, comment on appelle ça, un dressing capsule, et que vraiment voilà, vous savez que le t-shirt blanc c'est un basique et un intemporel à avoir tout au long de l'année, autant en hiver qu'au printemps, qu'en automne, qu'en été. Bah franchement allez-y. Et en plus de mémoire ils sont pas très chers. Celui-ci je pense qu'il est un peu plus cher que le fin que je viens de vous montrer, le rayé, mais ça reste quand même des prix abordables. Et voilà, entre dépenser une fois le prix de ce t-shirt et plusieurs fois le prix de plusieurs t-shirts peut-être moins chers chez H&M ou autre, voilà, parce qu'ils tiennent pas dans le temps, bah autant quelque part prendre ça et puis après vous êtes tranquille quoi. Mais voilà, je voulais vous en parler aussi parce que c'est vrai que Arquette ils font vraiment une chouette gamme de t-shirts, autant à longue manche d'ailleurs que courte manche. Allez-y, n'hésitez pas à y jeter un œil, à y faire un petit tour, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Les filles, avant de clôturer le haul, c'est Sarah du futur qui vous parle. En fait, je suis en train de regarder le haul et je me suis souvenue que j'ai complètement oublié de vous parler des Sunday Box. Donc, si vous voulez participer et tenter donc votre chance de remporter une des Sunday Box, n'hésitez pas à suivre les conditions de participation qui sont en barre d'infos. Pour celles qui ne le savent pas, en fait, j'essaye le plus souvent possible de vous organiser des boîtes comme ça avec plein de produits de beauté différents à l'intérieur. Et moi, ça me fait super plaisir et je tire plusieurs d'entre vous au sort après la mise en ligne de cette vidéo, enfin dans la semaine qui suit, histoire de laisser un peu de temps à tout le monde pour participer. Et voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir autant qu'à
moi et puis je vous laisse avec la fin du haul. Et ben voilà les filles, c'est la fin de ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai bien envie de vous faire des hauls un petit peu plus souvent. Je vous avais dit que j'avais envie aussi de développer un petit peu plus le côté mode sur ma chaîne, même sur Insta d'ailleurs, enfin sur mes réseaux de manière générale, pour vous montrer comme ça des sélections, les dernières tendances et tout. Je sais que ça vous plaît beaucoup et le fait d'avoir eu vraiment des chouettes retours de votre part, ben, ça m'a confirmé dans l'idée que c'était une passion que je devais partager avec vous. Donc ça me fait super plaisir. Donc attendez-vous à avoir plus de hauls par ici. Et puis aussi plus de look parce que des fois voilà, enfin je vais pas toujours faire des hauls avec 10 pièces par exemple, donc pourquoi pas vous faire des hauls un petit peu moins conséquents, mais vous montrer aussi comment je pourrais accessoiriser les pièces, comment les assortir ensemble, comment faire des looks en fait autour de ces nouvelles pièces, et comme ça vous permettrait aussi à vous de vous projeter, et puis à moi ça me permettrait aussi de bien vous imager, parce que des fois je vous dis ah je vois bien ci avec ça et tout ça, mais le fait de le voir vraiment en image, je pense que ça peut aussi être hyper sympa, parce que c'est vrai que des fois voilà, même quand j'essaye juste une pièce seule, on n'a pas forcément le réflexe de se projeter, de l'imaginer avec des looks complets, tout ça. Donc voilà les filles, je vous fais des gros bisous, j'espère de tout cœur que ce haul vous a plu. Je mets tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.